Hey, salut à tous les amis, c'est Grantern80. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo, comme vous voyez dans le titre, débloquer le badge banane. Bon, je vais l'appeler comme ça, parce que dans la description, peut-être je changerai le nom, mais on va l'appeler pour le moment comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le déconfinement se passe très bien pour vous. Voilà, donc faites quand même attention, parce qu'il y a toujours le virus dans l'air, en respectant les gènes de sécurité. Voilà, c'est sur ce ça. Surtout si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, likez à fond, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification mettant tout, et c'est parti. Donc les amis, il y a un petit secret dans Fortnite, dans le menu. Voilà, donc voilà, dans le menu, je vais vous montrer ce que c'est à débloquer. C'est ceci, le badge banane. Voilà, donc ceux qui ont le pass de combat, ceux qui ne l'ont pas, vous l'aurez quand même, hein, parce que je l'ai débloqué à ma soeur lundi et qui n'avait pas le pass de combat. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons aller à. Vous avez joué, pass de combat, compétition, casier, boutique d'objets, si ça veut bien charger, parce que normalement j'ai la fibre. Merci. Carrière et V-Buck. Donc vous allez à pass de combat. Donc vous avez table de défi, jeu d'espion, chambre d'amélioration. Point d'interrogation, c'est ceux qui ont le pass de combat pour débloquer Deadpool. Voilà. Et pass de combat. Et tâches quotidiennes. Et agent. Voilà. Donc vous allez à agent. Voilà. En haut à gauche. Je précise bien. Donc vous avez des numérotations là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez à numéro 1. Vous avez Brutus ici. Voilà. Bon, Brutus, je l'ai comme ça parce que j'ai terminé ces défis et on peut l'avoir de deux façons. Voilà. Soit de cette couleur, soit en noir. Voilà. Donc, moi, je préfère l'avoir comme ça. Donc, voilà. Vous avez lancé le couteau. Voilà. Qu'on peut faire voilà, comme ça, s'amuser, faire le muse et tout. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous avez des tuyauteries là. Vous en avez 1, 2, 3 et 4. Donc, le but, ça va être d'être aussi rapide et de déclencher les 4 en même temps. On va essayer de le faire. Je vais vous montrer. Après, il va y avoir une petite apparition de quelque chose. Je vais vous montrer. C'est le plus long, les amis. Voilà. Là, vous avez une banane. Vous l'avez vu la banane là, à côté de l'ordinateur. Voilà. Ça veut dire que là, on a fait le premier. Puis après, vous faites retour. Vous allez au numéro 2. Au numéro 2. Voilà. Donc, vous avez Tentina. Voilà. Avec plusieurs. Voilà. La bombe, etc. Donc, vous allez là-bas. À gauche. Vous voyez où ça brille de blanc autour là. Avec un panneau avec plein de boutons. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, les amis, vous allez spammer le bouton X, ce qu'ils ont la PS4. Vous allez le spammer. Là, vous avez des boutons qui descendent là. Vous le spammez jusqu'à ce que ça pète. Et vous allez voir, une fois que ça va péter, vérifiez bien le frigo qui est tout à droite. Voilà. Voilà, ça va péter. Là, vous avez vu. Là. T'as vu? Vous avez vu une sorte de banane. Après, l'étape numéro 3. Vous allez à Miaou musclé. Le miaou musclé, etc. Vous voyez qu'à côté de la télé, l'écran là, vous voyez, avec Styx, vous voyez qu'il y a un petit chat là. Là, vous voyez le petit chat là. Donc, le petit chat, vous allez appuyer sur le bouton plusieurs fois et vous le faire tomber de son truc. Voilà. Et là, vous allez voir la banane en dessous là. Voilà. Juste en dessous de son panier. Et là, vous allez à numéro 5. Vous faites d'abord le 1, 2, 3. Puis maintenant, on va faire le 5. Le 4, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, on va faire le 5. Voilà. Là, vous allez chez Midas. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a un tableau au fond là. Je peux pas y aller. Je peux aller qu'à deux endroits ici. Là, vous avez des arbres en or. À côté, vous avez une banane qui danse dorée. Et juste à côté de la banane, à sa gauche, il y a un tableau collé au mur de Brutus. Voilà. Donc, vous allez voir le procédé pour l'ouvrir. Ce sera la dernière étape pour débloquer le badge banane. Donc, en gros, vous allez au truc de musique. Là, vous avez Midas. Et là, hop, vous avez une sorte de musique. Ça va tourner, vous voyez? Là, vous avez, vous allez tourner. Donc là, vous spammez le bouton. Vous tournez plusieurs fois. Voilà. Et ça va faire cette musique. Et là, ça ouvre. Vous allez voir une banane.
Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez débloqué le badge de banane. Voilà. Donc, les amis, voilà, on va revenir. Vous aurez débloqué ce badge. Voilà. Donc, c'est un petit secret qu'il y a dans le jeu. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas eu. Voilà. Donc, ceux qui l'ont pas eu et qui ont réussi à le débloquer grâce à ma vidéo, les amis, eh bien, mais lâchez-moi un maximum de commentaires. Là, j'essaierai de le regarder. Voilà. Vous mettez le petit pouce bleu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche de notification en cliquant sur la cloche de notification, mettez tout. Vous partagez un maximum. Sur ce, c'était Green Lantern 80 pour vous avoir montré le petit secret pour avoir le badge banane. Et sur ce, je vous dis bye les amis.